chef des Burgondes est au château. Il exige un entretien immédiat. Non, non, mais je peux pas, là. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'interprète qui parle le Burgonde. Il est venu avec son interprète. Vous y allez? Bah oui, évidemment. Non, mais si ça se trouve, son interprète à lui, il parle pas Burgonde non plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est rude, hein, mais bon, moi je trouve pas ça malhonnête. Hein. Bon, d'accord, allez, dites-lui qu'on accepte les conditions. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes sûr? Comment? Vous allez pas regretter? Bah, c'est difficile de peser le poids. Attendez. De quoi vous mêlez, vous? Ah non, moi je dis ça, c'est pour vous. C'est quand même une lourde décision, le retrait des troupes. Mais attendez, vous êtes interprète ou diplomate? Oh, bah, interprète. Enfin, moi je dis ça, c'est pour vous. Vous êtes en position de force. Non, moi ça ferait mal au cul parce que... Bon, alors, non, attends, écoutez. Dites-lui ce qu'on vous dit de lui dire, et puis si on a besoin de vos avis, on vous fera signe. Bon, c'est vous le chef. Oui? Non, ta gueule, c'est bon, on domine. Pénible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on décide? Retrait des troupes? Pas retrait des troupes? Bah, à moins que vous ayez une autre solution. Honnêtement? Non, mais ça va maintenant. Il n'y a pas à discuter de solution avec un interprète. Alors, on retire les troupes. Et franchement? Vous voulez que je vous dise? Non, ça m'intéresse pas. Vous traduisez, vous la fermez. Vous tenez le coup encore 2 jours et c'est bon. Vous les saignez comme des chèvres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais on s'en fout, on va pas se farcir les stratagèmes de l'interprète. Non mais pourquoi 2 jours? C'est intéressant ça, non? Vous vous rendez pas compte de ce que c'est les Burgondes? Déjà, c'est un miracle qu'ils soient pas tous crevés. Ils font n'importe quoi et ils sont plus qu'une poignée. Une poignée? Mais vous nous avez dit qu'ils étaient 700 ou... Oui mais moi je traduis ce qu'il dit l'autre là. Mais il sait pas compter alors je sais pas où il va aller chercher ces 700. Bon, est-ce que vous allez finir par traduire ce qu'on vous demande? Bon bah j'y vais. Mais il faut pas vous fier à ce qu'il dit, lui. Hein. Déjà, à la base, un Burgonde, c'est con comme une meule. Alors celui-là, bah, vous pouvez pas savoir ce que c'est que de tomber interprète avec un engin pareil. Voilà, toute la journée, il pue, il pète, il lâche des ruines. Tiens, l'autre jour, à table, il devient tout bleu. Il était en train de s'étouffer avec un os de caille, cet abruti. Hein? Il tousse, il crache, il retousse, et bingo, il me dégueule dessus. Vous le croyez, ça? Une autre fois. Mais ça va, vous allez pas nous sortir votre biographie? Non, oh, biographie. Bon, bah j'y vais. Non, je peux pas. Je peux pas lui dire que vous retirez les troupes, c'est criminel. S'il vous plaît. C'est pas votre intérêt qu'on se retire pas, parce que si on fout une peignée aux Burgondes, eh ben vous y passez avec. Oui, mais j'étais en train de penser. Vous laissez repartir le gros con tout seul. Merci. Et moi, j'aurais pu rester chez vous comme interprète. Sauf si vous en avez déjà un. Alors, je vous remercie, j'ai ce qu'il faut. Mais non, la dernière fois, vous me disiez, on manque d'interprète, on a... Ah. Non, mais attendez, j'ai dit ça, oui, on manque d'interprète. Enfin, oui, c'est vrai que j'ai besoin d'un interprète. Ah oui, alors quoi? Alors un interprète, mais pas vous, voilà. Vous parlez quelle langue, là? Burgonde. Et puis? 2 autres patois burgondes. Oh, super. Alors j'aime autant vous dire que les types qui parlent le patois burgonde, à part ce morceau-là, ils n'en passent pas tous les jours dans les remparts. Bon, eh ben on vous prend comme interprète burgonde. Hein. Quoi? Oh, merci. Ah, il faudrait pas qu'il y ait d'accro. Hein. Parce que si jamais ils gagnent les Burgondes, ça va être la fête à mon cul. Ils sont pas vraiment choucards avec les traîtres. Mais vous inquiétez pas. Je voulais vous demander... Comment vous en êtes venu à la culture burgonde? La culture burgonde? Je savais même pas qu'il y en avait une. Non, moi je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il restait que burgonde ou anglais. Anglais. Mais c'est encore moins répandu.